Comment utiliser les SATS pour améliorer notre self-concept? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Sabrina Lena, votre Love Manifestation Coach et je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets favoris qui est le self-concept parce que si vous regardez ma chaîne régulièrement, vous savez que le self-concept est tout simplement fondamental en manifestation. Et le self-concept c'est vraiment la façon dont vous voyez les choses, dont vous voyez vous-même, dont vous voyez le monde, dont vous voyez les personnes qui vous entourent, dont vous voyez en fait votre vie. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler des SATS, donc les State Acute to Sleep, donc c'est l'état avant de s'endormir, et de comment vous pouvez utiliser ces quelques minutes, quelques secondes, juste avant de vous endormir, pour pouvoir vraiment améliorer, changer votre self-concept. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais juste avant de vous être endormi, vous êtes au niveau des ondes θ, donc d'un point de vue des ondes cérébrales, vous avez gamma, bêta qui est l'onde cérébrale qu'on a dans notre vie tous les jours, alpha qui est l'onde cérébrale de la relaxation, theta qui va correspondre à l'hypnose, aux souvenirs et à ces quelques instants juste avant de dormir, et delta qui est l'onde dans laquelle on est quand on dort. Donc juste avant de dormir, on est dans ces ondes theta et c'est là où on peut vraiment imprimer fortement le subconscient. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est avoir une petite scène très très courte qui va représenter votre désir final. Qu'est-ce que ce serait votre désir final? Et là, en l'occurrence, on parle de votre self-concept, donc c'est quoi votre self-concept idéal? Quelle est la version de vous? Quel est votre self-concept idéal? Quelle est la version de vous qui a la vie que vous voulez en fait? Qui est qui vous voulez être? Et soit vous pouvez vous imaginer vous en train de vivre une courte scène, donc je sais pas, soit vous êtes en train de vivre un moment que vous aimeriez vivre, soit, et moi c'est ce que je fais pour le coup, je visualise en fait que je suis en train de discuter avec ma propre coach, que oui, je vous coach, mais je me coach aussi, je suis coachée également. Je visualise en fait ma coach me dire qu'elle est super fière de moi, que j'ai tout, que j'ai manifesté tout ce que je désirais. Donc c'est assez simple parce que du coup je l'entends, elle ne parle pas français, donc elle me coach en anglais et elle est pas anglaise non plus, donc elle a un accent et j'arrive à très distinctement entendre son accent, sa voix, j'arrive à la représenter et je m'imagine en fait en train de discuter avec elle et je l'entends me dire à quel point elle est fière de moi parce que j'ai manifesté tout ce que je voulais. Moi je l'utilise comme ça, donc je me repasse en fait ces quelques secondes en boucle dans ma tête le soir avant de m'endormir. Je vais vous inviter à faire pareil en fait, à trouver votre scène qui représenterait vraiment votre désir accompli par rapport à votre self-concept et à vous représenter ça. Pourquoi moi j'utilise celle-ci? Parce que si j'ai manifesté tout ce que je voulais, ça veut dire que j'ai le self-concept de la personne qui a tout. Je suis cette fille, la fille qui a tout. Et donc si ma coach me dit « Darling, it's wonderful, you have manifested everything », ça veut dire que je suis cette fille qui a manifesté tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Et je vous invite à vraiment trouver ce serait quoi pour vous en fait, ce self-concept qui dit que vous avez tout, qui dit que vous êtes la personne idéale, qui dit que vous êtes vraiment cette version de vous qui a ce self-concept qui dit que tout est possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, vous avez l'ensemble de mes programmes dans la description, y compris mon programme « Comment manifester la confiance en soi » et le programme « Changer son énergie pour manifester l'amour ». Vous avez également mes coordonnées pour du coaching. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.